Salut tout le monde, une nouvelle partie de Gaia Project, euh, Projet Gaïa, et euh, là cette fois-ci on, euh, on va partir avec les Terraniens, euh, puisque là c'est une faction qui va nous permettre de voir euh, quelque chose qu'on n'a pas vu dans la dernière vidéo, c'est-à-dire euh, une mécanique euh, qui euh, s'appelle la Gaia formation pour euh, les planètes euh, justement transdim, les planètes violettes. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai pas fait dans la partie de présentation du jeu. Et là, euh, voilà, on va partir directement dans le vif du sujet avec les puisque euh, cette faction et euh, eh bien la, la mécanique principale c'est justement axé sur la gaïa formation des planètes transdim. donc euh, voilà on va partir là-dessus et on va en solo affronter les géodènes voilà les géodènes alors normalement je crois qu'ils sont un petit peu plus difficiles que les itars euh, en solo euh, avec l'automa on va partir tout de suite dans, le, dans la fin de la mise en place pour choisir toutes les tuiles. Si vous voulez voir une présentation de la mise en place un peu plus détaillée, eh bien il faudra voir ma vidéo précédente. Là, on a mis en place le plateau, donc avec une tuile piochée au hasard parmi sept au milieu, et puis j'ai arrangé autour les, les tuiles secteurs supplémentaires. Il nous reste donc à placer nos fameuses tuiles. Alors, on va commencer par le plus important quand même. On va dire tiens, allez, on va les piocher comme ça cette fois ci on va prendre toutes nos tuiles score de manche on va les mélanger dans une petite pochette comme ça et on va les piocher alors ça ce sera pour le numéro 1 pour la manche 2 ce sera ça pour la manche 3 ce sera ça la manche 4 ici 5 et 6 voilà ensuite on met toutes les tuiles restantes retirées de la partie. On va prendre nos deux tuiles de score de fin de partie. Ici. Le score final. Donc la première tuile ce sera celle-ci. Et la deuxième, ce sera les planètes Gaïa. Donc voilà, le plus de construction et planète, le plus de planètes Gaïa. Bon, ça c'est pas mal avec les Terraniens. Ensuite, il nous reste à faire... Alors donc évidemment... Les autres tuiles sont retirées. Ensuite, on va prendre tout de suite tiens, allez, les boosters de manche. Alors là, ça va être un petit peu plus euh, fastidieux. On va mélanger tout ça. Hop. Et on va prendre nos 5 boosters puisque nous sommes dans une partie solo. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et enfin, ça. C'est défaussé. Et enfin, on va, faire nos... on va commencer par nos tuiles tech standards. Donc, c'est pareil. On mélange tout. Et on y va. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 et 8. Et 9, la dernière. Voilà. Et pendant qu'on y est, donc là cette fois-ci on n'a plus de tuiles texte standard, hein, quand on joue en solo on a besoin de mettre euh, finalement qu'une seule tuile standard de chaque, euh, de chaque type, hein, puisque de toute façon on est les seuls à prendre des tuiles texte standard, et on fait pareil pour les tuiles avancées. Alors là ça va aller ici, ici, comme ceci. Là, on a nos 6 tuiles tech avancées. Voilà. Et il nous reste juste à piocher au hasard. Alors là, on va prendre un petit D6. On va prendre là, la, la tuile, le, le petit jeton Alliance, ici. Et ce sera le numéro 3. Voilà. Donc ça va être celui-ci qui va aller se placer en haut de la piste terrain formation. Et voilà. La mise en place est finie. L'automa, il va commencer. Alors on va mélanger. Ces cartes de départ, il va commencer avec la, le booster numéro 1, donc celui-là, et moi je choisirai le mien tout à l'heure. Ensuite, on va mélanger le paquet des autres cartes action, comme ceci, et on va en piocher une. On coupe là, on rajoute celle-là, et voilà le paquet action l'automa on coupe comme ça 1 2 3 les trois cartes trois dernières cartes horizontales l'automa c'est la faction géoden donc la faction géoden avec l'automa il commence avec un niveau euh, en, au niveau 1 en terraformation, euh, pour son action de faction, eh bien, elle va faire euh, deux choses différentes. Elle va progresser euh, sur euh, un domaine de recherche et euh, elle va aussi bloquer euh, une, une action euh, ici. Donc, euh, et en plus, alors, la capacité constante de cet automa, c'est que euh, dès qu'il colonise un nouveau type de planète, eh bien, il gagne deux points de victoire supplémentaires. En ce qui concerne les Terraniens, donc la faction que je vais incarner, alors ils ont leur petit cube, leur Q-cube, hein, leur quantique cube CIQ là. Et euh, donc ils ont, alors par contre ils vont commencer avec le niveau 1 dans euh, la euh, justement la Gaia Formation. Et ça leur permet d'acquérir au niveau 1 eh bien, une première unité de Gaia Formation, ce qui va nous permettre de, dès le premier tour, euh, enfin la première manche en tout cas, euh, de pouvoir éventuellement nous lancer dans de la Terra Formation euh, de planètes. Euh, Transdim, donc c'est tout le principe aussi, enfin c'est un des grands principes de, 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 du jeu. Et euh, voilà, donc là euh, les Terraniens, eux, ils ont une capacité spéciale qui est très très utile avec la, la Gaïa formation, c'est que effectivement normalement dans toutes les autres factions quand on récupère euh, eh bien de la puissance qu'on a utilisée pour faire de la Gaïa formation normalement ça va dans la zone 1 de la puissance et eh bien là ça va non seulement directement dans la zone 2 donc c'est quand même intéressant parce qu'on gagne un cycle hein, euh, donc ça va directement dans la zone 2 une fois qu'on récupère la puissance et en plus quand on récupère de la puissance et qu'on a euh, placé son institut planétaire eh bien on peut euh, toute la puissance qu'on va récupérer pendant la phase 2 et eh bien on va pouvoir à la convertir euh, donc euh, la convertir en minerai en connaissance euh, en cube CIQ euh, ou alors en or directement et ça va nous coûter euh, un certain nombre de points de puissance un petit peu comme les conversions libres euh, qui sont euh, indiquées euh, ici donc euh, voilà donc c'est vraiment un des points forts du des terraniens hein, c'est que euh, voilà il va falloir essayer de placer l'institut euh, le plus vite possible pour pouvoir bénéficier de, de ça et puis ça va nous permettre bah, d'essayer de, d'avoir un maximum de planètes transdim qui se en planète Gaïa, et alors en plus, là ça tombe bien puisque nous avons un objectif de planète Gaïa pour le score final. Donc, ça normalement on devrait l'avoir si on se débrouille bien. Il nous reste à placer nos deux mines de départ. Donc, comme en tant que premier joueur, je place une mine sur une planète bleue puisque je suis avec les Terraniens, donc je vais en placer une ici. Ensuite, nous avons l'Automa, le, le joueur suivant, qui va placer ses deux mines. Alors, lui, c'est les planètes orange. Donc, il va les placer le plus près du centre. Donc, il va commencer ici. Et puis, la deuxième, je pense que c'est 1, 2, 3. Je pense que c'est celle-là. Euh, l'autre, elle est à 1, 2, 3, 4 ici. Et l'autre, elle est très loin là-bas. Voilà. Donc, là, ma dernière mine, moi. Ma dernière mine, je vais la placer ici, histoire d'avoir quand même le l'automat dans une zone d'influence pour éventuellement récupérer de la puissance rapidement aussi. Je sélectionne aussi le booster, il ne faut pas que j'oublie. Le booster de manche pour moi. Je vais prendre ce booster là parce que là ça donne 4 points de victoire pour l'institut planétaire et les académies lorsque lorsque l'on termine la manche, lorsqu'on passe. Donc là, comme mon objectif, ça va être justement d'essayer de construire mon institut. Normalement, je vais avoir de quoi faire pour le, pour le construire. Et eh bien voilà, je vais prendre ce, cette, cette tuile-là. Parce que en plus, ce booster de manche, il va me permettre en plus de faire d'accumuler 4 puissances en plus. Donc c'est très bien. Allez hop, on prend ça et on est parti. Première manche, premier tour, je suis le premier joueur. La phase de revenus, on commence par les crédits, mais là il n'y en a pas. Ensuite, on passe sur le minerai. 1, 2, 3 minerais. 1, 2, 3, ça me fait 7. Une petite connaissance comme ça. Et puis ici, on a une petite accumulation de 4 puissances. Alors les, ter les terraniens, il commence avec 8 puissances au total. Euh, et donc là, hop, je passe 4 puissances de la zone 1 à la zone 2. Et voilà, c'est terminé pour la phase 1. Et pour la phase 2, bah, Gaïa Formation, pour l'instant, il n'y en a pas. C'est parti pour les actions. Alors c'est pas mal d'avoir pris ce petit booster là euh, avec l'accumulation de 4 puissances. Parce que ça va peut-être me permettre d'accumuler euh, 3 voire 4 puissances pendant la partie. Enfin en tout cas pendant la première manche, pardon. Et euh, voilà, on pourra peut-être faire une action euh, ici, euh, une action spéciale. Alors bon, je vous rappelle que là, on va prendre tiens, la tuile ici. De la première manche, la tuile score de manche. Donc là, on gagne deux points de victoire à chaque fois qu'on progresse sur un domaine de recherche. Ma première action, ça va être donc de là. Je vais essayer de remplir l'objectif de construire mon, mon institut planétaire. Donc, normalement, j'ai les ressources qu'il faut dès le départ. Euh, et voilà, après, on verra si on a le temps de construire une mine. Et puis surtout, on pourra faire, euh, on pourra essayer de faire une petite Gaia formation. Euh, donc, là, pour, euh, pour ma, ma première action, bah je vais faire une amélioration de bâtiment. Donc, là, j'ai un bâtiment. Je vais améliorer cette mine ici. Donc, là, c'est dans ma zone d'influence. Donc, je ne paye que trois crédits pour construire un comptoir de commerce 1 2 3 et je paye deux minéraux minerais pardon up et voilà c'est fait j'ai construit l'automat il va faire sa première action de son côté alors là on va faire comme la, la vidéo précédente on va révéler les deux cartes je vais même mettre le petit insert voilà et donc ici on va voir la première action de l'automa qui va être de réaliser une action spéciale euh, la cinquième 1 2 3 4 5 en partant de la gauche et il met son premier petit point ici moi j'enchaîne pour construire euh, tout de suite 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 mon institut planétaire voilà euh, ce qui va me permettre ici euh, en espérant que monsieur nous fasse éventuellement une, une amélioration de bâtiment ici, ce, ce serait pas mal. Ensuite, l'automa, il défausse ça, il récupère ça. Ah, voilà, voilà, il va nous faire... Il va progresser sur le domaine numéro 5 en partant de la droite. 1, 2, 3, 4, 5, c'est celui-là. Voilà. Et il gagne 0. Alors, quand il a, comme il a progressé sur une piste de recherche, eh bien, il gagne un 2 points supplémentaires à cause de la tuile ici. Je vais pouvoir faire mon action de Gaia Formation. Alors, ça, la Gaia formation, il faut avoir une planète transdim à portée donc là j'ai une portée de 1 pour l'instant donc j'ai une planète transdim ici à portée euh, bon je peux toujours augmenter ma portée avec un, un petit cube mais euh, là je vais prendre directement la planète euh, ici transdim qui est à portée ici et il faut avoir une unité de Gaia Formation et je l'ai puisque grâce au Terranien je l'ai euh, dès le début de la partie et ensuite donc pour, euh, pour ces, si ces deux conditions sont remplies, eh bien on va euh, déplacer, alors là en l'occurrence on va payer un coût de Gaia Formation qui est égal au niveau de Gaïa Formation sur lequel on se trouve. Donc là actuellement, moi, je suis au niveau 1, ce qui correspond à 6 puissances. Donc il faut que je dépense 6 puissances pour pouvoir Gaïa Former. Et alors les puissances, en fait, on les prend cette fois-ci dans n'importe quelle zone et on les déplace dans la zone de Gaïa Formation ici, dans la zone Gaïa, en fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. J'ai tout déplacé ici. Et là, maintenant, je peux placer mon unité de Gaïa Formation sur une planète Transdim libre, disponible, c'est-à-dire qui n'a pas d'unité de, de, de Gaïa Formation déjà dessus. Et voilà, donc là, j'ai fait mon action. Et alors, à la prochaine manche, vous allez voir que là, on va, pendant la phase 2, eh bien, faire l'étape de Gaïa Formation. Et là, on va transformer cette planète Transdim en planète Gaïa. Voilà, tout simplement. Le L'Automa, lui, il va continuer... À nous amuser. Alors il va faire quoi ce coup-ci Ah bah ben, il va nous faire une action de faction. Alors l'action de faction, euh, donc pour lui ça va être déjà de progresser euh, encore sur la recherche, donc c'est la quatrième 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire celle-là, voilà. Alors là ça va lui permettre de gagner 1, deux points grâce à la tuile ici euh, de score de manche actuelle ensuite il va refaire avec le même euh, la même condition c'est à dire en euh, 4 en partant de la gauche il va nous faire une action spéciale donc 1 2 3 4 voilà et après il va gagner un petit point supplémentaire voilà donc le voilà à 16 je vais faire ma dernière action pour cette manche je pense je vais dépenser 4 points de connaissances et je vais augmenter ma je vais augmenter euh, ma portée ici donc là voilà je bon ça va rien me donner comme bénéfice si ce n'est ah bah si quand même pardon je vais quand même gagner un petit cube euh, CIQ voilà et puis euh, là pour la prochaine fois bah, je pourrais avoir éventuellement une portée de 2 si, si j'augmente encore alors l'automat lui est ce qu'il va passer ou pas parce que là on arrive aux cartes horizontales et il va euh, oui, il va passer. Alors là, hop, ici nous avons la petite croix rouge en haut à gauche et alors tiens ça va me faire un petit correctif par rapport à ma partie précédente en vidéo euh, généralement je prenais le booster euh, le, le thomas prenait le booster qui correspondait ici mais alors en fait il faut prendre le booster qui, qui est ici là en fait euh, donc ça c'est la section passée en fait et là donc vous voyez qu'il ne va pas prendre le booster du milieu il va prendre le booster de manche euh, complètement à droite donc euh, voilà ça c'est un petit correctif par rapport à la vidéo d'avant euh, donc là effectivement il prend ce booster là euh, et il passe, voilà, et il remet l'autre booster à droite. Euh, donc comme il a passé en premier, bah voilà, il gagne le, premier, le, le marqueur premier joueur. Et puis moi, bah, moi, pour mon tour, je pense que je, je n'ai pas d'autres actions. Je vais passer aussi. Alors là, c'est l'occasion d'activer ma tuile. Ici, je vais gagner 4 points de victoire pour chaque institut et chaque académie. Alors là, j'ai réussi à placer mon institut. Donc ça va me faire marquer 1, 2, 3, 4 points. Euh, et puis, euh, voilà, je vais remettre cette tuile là. Je vais prendre celle-ci. Tiens, voilà. Donc là, les tuiles, on les remet toujours à droite. Fin de la manche, on retire les, les jetons action. Euh, on active ici et alors là pour la, la tuile ici eh bien l'automat va gagner 2 points de victoire avec cette tuile-là, 1-2. On va en profiter pour rajouter une nouvelle carte et mélanger son paquet. Et on ne va pas oublier aussi 1-2 parce que j'avais deux points supplémentaires puisque j'ai progressé moi aussi sur une piste de recherche. On ne va pas commencer à oublier des points comme ça. Ça va bien. <laughs> Début de la deuxième manche. Alors là, le score, ça va être pour la manche. Ce sera quand on fera des étapes de terraformation. On va voir si on arrive à en placer quelques-unes. Euh, la phase de revenus. Alors là, je vais au niveau crédit. Euh, bah, là, ce n'est pas terrible. Je gagne 0 crédit pour l'instant. Ensuite, les minerais. Donc là, j'ai 1, 2, 3 minerais. Je repasse à 4. Au niveau connaissance, je passe à 1 et ensuite là, alors là je vais pouvoir gagner euh, alors là j'ai le choix dans l'ordre hein, puisque maintenant que j'ai construit mon institut planétaire et eh bien j'ai accès à cette action là de revenus ici aussi euh, donc je vais choisir déjà de gagner ici euh, plus 2 puissance donc je les mets là dans la zone 1 ensuite je vais pouvoir gagner euh, je vais pouvoir faire donc déplacement de 4 puissances. est-ce que ça vaut le coup euh, ouais, donc je fais euh, 1, 2 3, 4 et ensuite je regagne une autre puissance grâce à mon institut ici. Euh, voilà, donc là, normalement, on est bon là-dessus. On va pouvoir passer maintenant, alors là, la fameuse phase 2 Gaïa Formation. Alors là, c'est pour les joueurs qui ont des euh, justement des, 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 des jetons puissance dans leur, euh, leur zone Gaïa ici, eh bien on va les, les déplacer, euh, dans, on va les remettre dans les, dans les zones de puissance ici. Alors normalement, pour les factions normales, on les remet dans la zone 1. Mais alors pour la faction des Terraniens, eh vous voyez que nous avons une flèche qui nous indique que on va déplacer donc, nos 6 puissances directement dans la zone 2. Et alors en plus, comme on a construit notre institut, euh, eh bien, maintenant il est actif. Et quand on déplace des jetons puissance depuis la zone Gaïa. Dans la zone 2 ici, eh bien on va pouvoir euh, utiliser cette puissance pour euh, générer des ressources. Donc là, je vais déplacer mes 6 euh, pions puissance directement ici. Et je vais pouvoir, sur les, les 6, en fait, je vais pouvoir les convertir. Alors euh, pour une puissance, je peux gagner un crédit. Pour 4 puissances, je peux gagner une connaissance. Pour 3 puissances, je gagne un minerai. Et pour 4 puissances, je gagne un cube euh, CIQ. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais euh, gagner, alors je vais dépenser trois puissances pour gagner un minerai, et puis euh, les trois autres puissances que, que j'ai cumulées, là je vais faire 1, 2, 3 crédits, voilà, euh, comme ça ça me permet de me renflouer quand même un peu au niveau crédit et, et minerai. Donc vous voyez que là l'intérêt ça va être évidemment euh, à chaque tour eh bien de, de, de récupérer euh, donc nos, nos unités de terraformation et d'essayer de faire en sorte de pouvoir au moins en terraformer une voire deux planètes transdim à chaque tour, hein, à chaque manche, euh, de façon à ce qu'à la manche suivante ça, ça, nous, ça nous génère du crédit, euh, enfin des ressources supplémentaires. La deuxième étape pendant la phase de Gaïa Formation, la phase 2, eh c'est que tous les joueurs qui ont des unités de Gaïa formation en jeu sur des planètes transdim, eh bien placent euh, des planètes Gaia en fait et remplacent les planètes transdim par des planètes Gaïa. Mais par contre là on laisse euh, l'unité de, de, de Gaïa Formation euh, sur la planète puisque pour l'instant la planète il n'y a, a pas encore de bâtiment de construire. il va falloir construire une mine évidemment euh, mais euh, comme on a notre propre unité de Gaia Formation qui est sur la planète et eh bien personne ne peut nous la piquer donc ça c'est pas mal aussi parce que vous allez voir que ça peut être aussi euh, intéressant de si on a euh, plusieurs unités de Gaia Formation et eh bien de les laisser euh, peut-être une manche ou deux sur la planète. Euh, par exemple, si vous avez des objectifs, comme je vois ici, euh, qui consistent à euh, eh bien, gagner des points de victoire quand on construit une mine sur une planète Gaïa. Donc euh, voilà, ça vaut peut-être le coup de temporiser, puisque on est sûr que cette planète ne peut pas être piquée par la concurrence. C'est l'automa qui commence. Alors lui, il va nous faire... Euh, ah, il va nous faire une amélioration. Alors là, il va essayer d'améliorer. Alors il n'a pas de comptoir pour l'instant, donc il ne peut pas faire d'institut. Donc il va tout simplement faire un comptoir d'abord à partir de mine et il va prendre celle qui est le plus proche des joueurs. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et c'est ici, voilà, hop. Il ne place son petit euh, comptoir. Alors moi ça va me permettre depuis la zone d'influence, c'est ce que j'espérais à la manche précédente. Mais ici donc j'ai mon euh, j'ai mon institut qui a une puissance de 3. Ce qui veut dire que je dépense 1, 2, je dépense toujours un point de victoire de moins que la puissance que je vais gagner, puisque là je vais pouvoir faire 1, 2, 3. Voilà. Euh, donc là ça me permet d'accumuler un peu de puissance. Et en tout cas lui il gagne son petit point supplémentaire. Mon objectif pour cette manche là, euh, je ne vais pas, je pense, pouvoir faire d'étape de terraformation de toute façon. Euh, donc bon, j'ai oublié cette tuile, euh, cette, euh, ce score de manche là pour euh, pour cette manche là, c'est foutu. Par contre, ce que je peux faire, c'est essayer d'arriver à construire un labo. Donc pour ça, il faut, il faut que j'arrive à construire un comptoir déjà. Et alors le comptoir, eh ben, euh, voilà, je peux juste améliorer le comptoir qui est là. Et ça, ça va me coûter euh, au moins 6 crédits. Et si je veux construire un labo après, il faut que je rajoute 5 crédits de plus. Donc ça me ferait 11 crédits. Et là, pour l'instant, je n'en ai que 9. Euh, ce qui veut dire tout simplement que là, bah, je vais dépenser 4 puissances ici pour pouvoir faire cette action-là qui me permet de gagner 7 crédits. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Voilà, comme ça je me retrouve avec 16 crédits et là je vais pouvoir faire mes deux prochaines actions et donc avec le labo je pourrais évidemment gagner une tuile et je pense savoir laquelle je vais prendre. On va voir ça. Bon, l'automa, il s'en fout un peu de mes états d'âme. Il va continuer son petit bonhomme de chemin. Il va nous faire... Bah, il, va, il va encore nous faire une amélioration euh, de recherche. Donc, une progression. Donc, ce sera dans la première ici. Alors, il passe là et il gagne 2.1.2. 2. En ce qui me concerne, je vais suivre mon plan. Je ne sais pas si c'est un bon plan, mais on va le faire. Euh, donc, là, je vais construire, euh, je vais améliorer la mine en comptoir ici. Ce qui va me coûter, comme il n'y a personne dans la zone d'influence, ça va me coûter 6.1. 2, 3 4 5 6 et euh, 2 minerais 1 2 l'automa il va bloquer l'action numéro 5 en partant de la gauche 1 2 3 4 5 c'est la terraformation d'accord euh, et il gagne 1 point 5 crédits et 3 minerais je construis mon labo ici La tuile tech, alors là voilà, c'est là qu'il faut... Euh... Donc il y a une tuile tech qui est très intéressante ici, c'est euh, qui donne 3 points de victoire à chaque fois qu'on fait une mine sur... Une planète Gaïa, euh, donc ça c'est quand même pas mal parce que c'est un petit peu dans mes plans. Euh, ici on a une autre tuile qui permet de cumuler les 4 puissances qui est quand même aussi très utile, mais euh, bon voilà c'est toute l'aléatoire la, du placement des tuiles en début de, en début de mise en place ici, euh, c'est que bon là pour l'instant la connaissance euh, c'est pas. Pas trop ma priorité mais ça va le devenir et puis il y a cette tuile ici qui me permettrait de progresser parce que là je veux progresser quand même dans la navigation donc ouais allez bon je vais prendre cette tuile là ça me génère quand même c'est pas mal de la prendre en début plutôt en début de partie puisque ça génère un minerai et puis ça me permet de progresser et d'avoir maintenant une portée de 2. bon on va voir si le calcul est bon pour pour la suite des événements, donc euh, voilà, donc là j'ai construit mon labo, j'ai pris ma tuile, euh, c'est ok. L'automa, lui, il va... C'est sa dernière action obligatoire, sera, ce sera son action de faction à une distance de 5. Euh, 1, 2, 3, 4, 5. Il progresse ici en même temps que moi sur la navigation et ensuite il bloque l'action numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici et il gagne son petit point grâce à sa carte faction. J'ai plus trop d'autres possibilités et ça va me permettre de passer en premier maintenant. Donc je vais récupérer le, le marqueur. Alors, bon, tant pis, je vais pas pouvoir faire la mine ici, mais au prochain tour ça va me rapporter des points de victoire. Donc bon ça compense un peu. Euh, voilà, donc le, le seul petit problème c'est que bah, on, ne récupère, euh, on ne récupère pas l'unité de, de terrain formation euh, ici, et, enfin de Gaïa formation, et là euh, ça va ça m'empêche me, ça de faire euh, pendant cette manche en fait une euh, nouvelle Gaïa formation. Si c'était possible d'en faire une, oui c'était possible d'en faire une ici et là. Donc euh, voilà, bon, ça, ça me fait perdre une manche, donc peut-être que... Euh, voilà, on verra euh, si l'avenir euh, nous, nous, nous dit si on a eu raison ou pas. Euh, donc là, euh, bah, moi je vais passer, je vais récupérer, euh, je pense, cette tuile là, parce qu'il va vraiment falloir que je grappille du minerai, et donc je remets celle-ci ici. Voilà. Alors l'automat lui il va continuer, puisque là, maintenant on va voir si il passe son tour ou pas. À partir de maintenant. Alors, non, il ne passe pas son tour et en plus, il va construire une mine. Alors, il ne va pas prendre les tuiles score final. Donc les tuiles score final, je vous rappelle que euh, y a, euh, toutes les tuiles score final ne sont pas euh, prises en compte par l'automat. Par exemple, la tuile, effectivement, nombre de planètes Gaïa, euh, oui, il en tient compte. Euh, il tient compte aussi de celle qui, la, la tuile score final qui concerne le plus de secteurs ou avoir le plus de planètes, de types de planètes différents. Donc euh, ça ne concerne pas la première. Mais de toute façon, là, pour ce coup-là, il ne tient pas compte le score final donc maintenant à une portée de 2 eh bien, il va essayer de trouver de sélectionner la planète qui a le moins d'étapes de terraformation ça c'est son premier arbitrage à une portée de 2 donc il a ça vert rouge jaune Voilà les quatre candidats potentiels pour le, le moins d'étapes de planète, le moins de terrain formation pour le Geoden, c'est vert, rouge ou jaune. Petit point de règle d'ailleurs, tiens, euh, ici nous avons une planète avec euh, effectivement qui est à une portée de 2, donc qui est la plus proche en fait, mais avec une uni, avec mon unité de, de Gaïa formation, justement. Et alors euh, donc cette planète-là, bah en fait, je ne l'ai pas encore colonisée puisque je n'ai pas construit de mine encore. Ce qui veut dire que là, la planète, entre guillemets, elle m'appartient, mais... Et euh, l'automa ne va pas en tenir compte, puisque j'ai pas de mine dessus, euh, ou d'autres bâtiments. Euh, je n'ai que, pour l'instant, je n'ai fait que la, la Gaïa formée, entre guillemets. Euh, ce qui veut dire que là, eh bien, toutes les, les planètes, donc, euh, maintenant, sont sélectionnées. Donc, il va prendre celle qui est la plus proche du joueur. Euh, donc, déjà, celle-là, eh bien, elle n'est pas la plus proche du joueur. Toutes les autres planètes se retrouvent à une distance de 3. Ici, 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Et alors, on ne tient pas compte de, 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 mon, de mon unité. Donc, 1, 2, 3 pour cette planète-là. Donc là, voilà, ça nous fait 3 planètes. Et bien là, on va prendre le petit choix de direction. Donc, on va partir du bas. Et on va euh, sélectionner la première planète en partant euh, d'en bas à gauche. Donc ça va être euh, cette planète-là. La planète jaune. Donc là, ça m'arrange pas trop parce qu'il vient m'embêter dans ce coin-là, lui. Euh, donc il construit sa mine-là. Euh, et <laughs> ça va peut-être bouleverser un peu mes plans. En tout cas, il va marquer son petit point supplémentaire. Et puis alors ici, nous avons... Euh, la, petite, euh, la petite capacité constante pour les Géodans, c'est qu'à chaque fois qu'ils colonisent un nouveau type de planète et eh bien ils gagnent 2 points de victoire supplémentaires, donc là effectivement il vient de coloniser une planète jaune, d'ailleurs je vais mettre un petit marqueur pour euh, m'en rappeler, et donc ça lui fait un 2 points supplémentaires euh, bien vu le donc ensuite il va continuer à jouer tout seul puisque moi j'ai passé hein. euh, on va voir si lui aussi passe, eh bien non, il continue. <laughs> il continue, il a toujours le petit point vert là, donc là, il va nous améliorer un bâtiment, donc là, on ne se pose pas de questions, c'est le... le comptoir qui passe directement en institut. Euh, là, je vais pouvoir... Est-ce que, ça... Est que ça vaut le coup de faire ça oh, je, vais... je vais faire un cumul, moi, allez, ouais, je vais perdre donc... 2 points de victoire pour accumuler 3 puissances. Comme ça, pour le, le début de la manche prochaine, je vais pouvoir euh, commencer avec euh, déjà des, des, des pions euh, puissances dans la zone 3. Voilà. Euh, ensuite, il gagne 2 points, lui, supplémentaires ici. Alors, est-ce qu'il va faire encore un autre tour C'est sa dernière carte de toute façon. Non. Cette fois-ci, il passe. Et il récupère. Alors il passe avec ça et il récupère son, son booster avec ça. Donc le booster du milieu, ça va être celui-là. Nous avons passé tous les deux. On enlève 1, 2, 3, comme ça. Euh, on va aussi. Alors lui, il va récupérer 4 points de victoire supplémentaires avec ça. 1, 2, 3, 4. Et on y va pour la prochaine manche phase de revenus on est parti alors là de toute façon ça va être très rapide euh, au niveau crédit bah, c'est pas c'est pas brillant je ne gagne absolument rien par contre au niveau minerais alors j'ai 1 2 3 minerais voilà ensuite je vais pouvoir alors au niveau connaissance je regagne 2 aussi donc je passe aussi à 3 ici et puis là je vais pouvoir faire une petite accumulation comme ça. Ensuite, je vais faire euh, quatre accumulations comme ça. Et je regagne encore une puissance grâce au pouvoir de mon institut construit. Voilà. Euh, donc, avec tout ça, bah, on va peut-être pouvoir se. Normalement, se... Je, je, vais de... je vais construire des mines en fait. Je vais essayer de construire des mines sur des planètes Gaïa. Alors, le petit problème, c'est que pour construire sur les planètes Gaïa, bah, il faut dépenser un Cube euh, CIQ, ou alors si on a une unité de terraformation, eh ben, on n'a pas besoin de euh, dépenser un cube. Donc là, euh, bah, écoutez, au mieux je vais pouvoir construire. Euh, donc, d'après mes calculs, hein, <laughs> euh, comme j'ai 3, 3 minerais, de toute façon je vais pouvoir construire 3 mines, mais il va me falloir des sous en plus parce que je n'ai que 5. Donc, ma première action, ça va être de dépenser mes 4 puissances ici pour encore récupérer du pognon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc là, on devrait être à l'abri. Alors pour cette manche-là, je n'ai pas, euh, pas fait la phase 2 Gaia Formation, puisque là, je n'avais pas de Gaia Formation en cours. On va préparer le paquet, on ajoute une nouvelle carte ici, euh, de l'automa, comme ça, le paquet de l'automa, on le mélange. On sait que l'automa, il va gagner que 2 points de victoire avec cette tuile puisque nous sommes à la troisième manche. Donc euh, on va en profiter, on va essayer de, de grignoter un petit peu plus de, de points de victoire. Tiens, hop, on coupe là. 1, 2, 3. De façon à ce que là normalement on devrait pouvoir gagner 6 points de victoire avec ça. Plus on a la, la tuile booster de manche ici qui nous permet aussi pour les mines de rapporter un petit point de victoire. Donc bon ça, ça grappille. Ça grappille. Euh, donc on y va pour l'automat. Sa première action, ce sera. Eh ben ce sera de construire une mine. Ça m'aurait étonné. Donc là, en plus, il va prendre. Comme condition, eh l'arbitrage en tête, ça va être la deuxième tuile score final, et forcément c'est le nombre de planètes euh, Gaïa. Donc là, il va viser les planètes Gaïa et les planètes transdim qui sont euh, donc à une portée de 2. Voilà, donc là, euh, une portée de 2, bah, est-ce qu'il va commencer à m'embêter Non, il n'y en a pas énormément. En planète transdim, il y a celle-là aussi. Euh, je pense que c'est tout ce qu'il a à une portée de 2. Celle-là, elle a une portée de 3. Ensuite, il va reprendre l'ordre d'arbitrage normal. Donc, ça veut dire que là, il va prendre euh, bah le, le, la planète avec le moins d'étapes de terraformation. Donc, pour lui, c'est une planète verte. Donc, euh, les planètes transdim, c'est deux étapes de terraformation pour lui. Euh, donc, ça lui laisse deux choix. Et il va prendre celle qui est le plus proche du joueur. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, elles sont toutes à une distance de 5, les deux là. Euh, donc maintenant, le choix de direction, eh ben, on part du bas. Donc il va construire sa mine ici. Bon, ça m'embête un peu, ça m'embête même beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Euh, il vient s'installer par là. Donc lui, eh ben, déjà, il va marquer 3 points parce qu'il a construit une mine sur... Euh, 1, 2, 3, sur une planète Gaïa, donc euh, voilà, très bien vu pour lui, plus un petit point supplémentaire euh, grâce à son action, euh, sa carte action ici. Et alors en plus, il a colonisé un nouveau type de planète, c'est-à-dire les planètes Gaïa, les planètes vertes. Donc ça lui fait 1, deux points supplémentaires. Ça c'est grâce au Géodène, bien vu le Thomas. Euh... <laughs> Bon, moi je vais, je vais conserver mon plan d'origine. Donc ici j'ai une planète Gaïa à une distance de 2, donc j'ai la portée de 2, c'est bon. Je vais pouvoir construire une mine là. Ça me coûte 1, 2 et 1 minerai comme ça. Là j'ai construit sur ma planète Gaïa 1, 2, 3, une mine, ce qui me fait le score de manche. Ensuite, il va peut-être peut nous lâcher avec les mines, lui, parce que là c'est. Non, voilà, donc là il va maintenant, il va reprendre son ascension, alors il va prendre la quatrième euh, recherche 1, 2, 3, 4, partant de la droite, voilà, il avance ici et il gagne 0. Alors je ne vais pas oublier aussi pour la construction ici de la mine, il a fallu que je dépense un petit cube euh, CIQ. Euh, voilà, sur mes deux. Donc ça c'est fait. Ensuite ma prochaine action, ça va être encore une construction de mine. Euh, mais cette fois-ci sur ma planète natale, est-ce que ça vaut le coup de faire ça <laughs> Tiens, j'ai oublié d'enlever ce cube-là, comme ça. Euh, la prochaine mine, alors là, j'ai pas d'autre euh, planète Gaïa. Donc là, pour cette planète Gaïa-là, j'ai une unité de Gaïa Formation. Donc j'ai pas besoin de dépenser de, de cube euh, CIQ pour. Euh, euh, pour construire une mine sur cette planète là, puisque j'ai déjà une unité de, de Gaïa formation, euh, donc c'est l'avantage aussi des, des Gaïa formation. Euh, donc là, mon dernier cube en fait, euh, je vais pas pouvoir l'utiliser avec ma portée actuelle, j'ai pas d'autres planètes Gaïa à porter, euh, donc je vais dépenser ce cube en fait pour augmenter ma portée. Donc là, en fait, le cube on peut le dépenser pour gagner un petit minerai ou alors augmenter sa portée de plus 2. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et ça va me permettre d'avoir une portée maintenant de 4. Euh, je vais pouvoir construire une mine ici. Euh, donc ça, ça me coûte 1, 2 et 1 minerai. Et là, comme c'est une planète natale, j'ai pas d'étape de terraformation. Donc là, effectivement, je ne bénéficie pas du score de... De, de manche là ici mais euh, voilà ça me permet en fait de me rapprocher de cette zone là parce que j'ai peur qu'il me pique euh, les, les deux les deux zones transdim ici euh, donc euh, voilà je, je me rapproche par là euh, et donc le Thomas lui comment va-t-il réagir il va bon bah, ça va pas trop l'inquiéter il va juste bloquer 1 2 3 4 la quatrième en partant de la gauche et gagner un point de victoire. Je vais pouvoir faire ma dernière construction de mine ici grâce à mon unité qui retourne sur mon plateau là. Donc je vais pouvoir l'utiliser à mon action prochaine. 1, 2 et 1 minerai. Voilà. Donc là je gagne 3. 1, 2, 3 pour le score de manche. Euh, et puis euh, l'Automa lui, il va Faire, alors est-ce que c'est est pas sa dernière action Non, il en aura encore une après. Il va améliorer une mine. Alors, la mine, ça va être la plus proche possible. Euh, donc, ça va être forcément une des deux mines ici. Et le choix de direction, c'est encore en partant du bas. Donc, ça va être ici. Il améliore cette mine là. Est-ce que j'en profite moi euh, là, là, comme j'ai une mine ici, c'est euh, une mine à une puissance, donc ça me coûte 0. Bon, je vais le faire pour le principe, mais ça ne va pas changer grand chose. Hop. Je, je fais un petit cumul de une, une accumulation d'une puissance. Euh, voilà bon. Il récupère 2.12 le voilà à 41. Ma dernière action pour mon tour, moi ça va être une, une petite action de Gaïa formation. Euh, donc avec ma portée de 2, bah je peux, euh, peux Gaïa former cette planète transdime là. Euh, donc ça, ça me coûte entre guillemets 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puissance que je déplace dans la zone Gaïa. Dernière action obligatoire pour l'automar une action, deux factions, il va commencer par avancer sur la première piste ici en partant de la gauche, ensuite il va bloquer la première action en partant de la gauche et il va gagner un petit point. Pour ma part, je... Plus trop d'actions possibles. Euh, non. Donc on va, on va passer. Voilà. Tiens, hop. Donc là, au passage, euh, au moment de passer, je gagne un point par mine. Donc j'ai une, deux, trois mines de poser. 1, 2, 3 Mais voilà, 21 points. Bon. Euh, et puis je vais pouvoir, comme je passe en premier, je vais récupérer... Euh, oui, bon. On va voir si c'est intéressant. Peut-être... Oui, je vais prendre cette tuile-là. Et ça, ça repasse à droite. Voilà. Euh, donc là, pour le Thomas. Donc maintenant, à partir de maintenant, lui aussi, il peut passer. Va-t-il passer Va-t-il passer hop, euh, Non, il ne passe pas. Il va d'abord en profiter pour augmenter encore. Alors, ce sera le deuxième en partant de la droite. Il va s'augmenter ici en économie, lui, et il va gagner deux points bien vu ensuite alors oui cette fois-ci il passe donc il passe ici et il prend la tuile de gauche c'est à dire celle-là fin de la troisième manche on récupère tout ça euh, là on va pouvoir faire un petit point sur les, les scores finaux. tiens. Euh, ici pour l'instant on a zéro alliance. Alors lui pour l'automage je vous rappelle que euh, son, à la fin de la partie en fait on compte le nombre de bâtiments qu'il a construit moins 1. Et ça lui fait le nombre de bâtiments dans une alliance. Voilà. Donc là on verra, mais on, ça va peut-être être un peu plus serré que, que pour les planètes Gaïa. Pour les planètes Gaïa, moi j'ai... Alors lui il en a construit une. Une mine ici, et moi pour l'instant je suis à deux. Voilà, donc là c'était juste un petit point pour faire le, le petit bilan à mi-parcours, puisque là nous sommes à la fin de la manche 3. Donc l'automat il récupère 2 points de victoire supplémentaires avec cette tuile-là. Et on va pouvoir passer dans. On a basculé la, dans la quatrième manche, dans la deux, la seconde moitié de, de la partie. On va repréparer. Le paquet, on ajoute une nouvelle carte à l'automat. Hop là. 1, 2, 3, voilà. Pour les revenus, on n'a rien en crédit pour ce qui nous concerne. Ensuite, en minerai, on a 1, 2, 3, 4, 5. On va arriver ici. En connaissance on a 2, 1, 2, on arrive à 6. Et ensuite, on va encore s'amuser avec euh, euh, les pouvoirs, on va passer, donc euh, enfin la puissance, on va accumuler 4 puissances, et ensuite on va ajouter une puissance ici grâce à notre institut. Ensuite, la phase, alors là pour la phase de d'Agaïa formation, on a une petite, euh, une petite chose à faire, c'est que on a 6 euh, euh, puissances dans la zone Gaïa, donc on va les transférer hop, dans, directement dans notre zone 2 euh, et on va voir ce qu'on gagne avec ça. Euh, vu ce dont j'ai besoin pour cette manche-là, je vais euh, convertir... 3 puissances en. Je peux convertir 3 puissances en minerais. Donc là j'ai déplacé 6 puissances, donc ça me fait 2 minerais supplémentaires. Ce qui va me passer à 7. Ensuite, on termine la phase de Gaïa formation. Ça y est, on a Gaïa formé cette planète transdim là et on va pouvoir construire. Euh, alors là, on va passer à la phase d'action. Donc là, pour cette manche-là, nous sommes à la quatrième à la manche. Nous avons ici. 3 points de victoire pour chaque comptoir euh, construit. L'objectif pour la manche, ça va être de construire euh, bah, au moins deux comptoirs. Et puis ensuite, ça nous permettra, normalement avec ce que je veux faire, on aura assez de minerais et de crédit pour pouvoir construire un petit labo. Euh, voire même peut-être. Euh, non, on va, oui, on va construire un labo, je pense, qui nous permettra de récupérer aussi une tech. Euh, voilà, donc là l'objectif, ça va être ça. Donc pour faire deux comptoirs minimum plus un labo, il va me falloir quand même pas mal de sous-sous. Là, donc là j'ai que 6 crédits. Ma première action, ça va être de dépenser les 4 pouvoirs que j'ai accumulés ici. Euh, ce qui va me permettre de faire l'action ici pour gagner 7 crédits. Et là, je vais passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 13. Voilà, ça c'est ma première action. Et on va voir ce que va nous faire l'automat. Eh ben, il va faire une action de faction, ce qui consiste à euh, d'abord avancer sur la quatrième en partant de la droite 1, 2, 3, 4, quatrième recherche, donc il avance ici. Ensuite, il va bloquer la quatrième 1, 2, 3, 4 en partant de la droite ici, et il va gagner un petit point. Voilà. Moi, je vais me faire un petit comptoir ici. Et ça, ça va me coûter. Donc, comme c'est dans une zone d'influence, ça ne me coûte que 3 crédits. 1, 2, 3 et 1, 2 minerais. Et je vais pouvoir hop, construire un comptoir là. Voilà. Et là, ça me rapporte 3. 1, 2, 3. Avec le score de manche. l'automa, lui. Il le fait. Ah bah encore une action de faction décidément. Euh, cette fois-ci, ça va être à deux en partant de la droite. Euh, donc il va avancer 1-2, il va avancer ici. Et il va bloquer 1-2 cette action-là et il va gagner juste un point. Bon. Je vais faire mon labo tout de suite ici, comme ça s'il y a une amélioration, euh, bah, euh, ça, ça me permettra peut-être d'accumuler un peu de puissance. Euh, donc là, alors là par contre ça va me coûter 5. 1, 2, 3, 4, 5 crédits et 3 minerais. 1, 2, 3, voilà. Et là, ça me permet de construire un labo ici. Et alors ce labo, et euh, eh bien ça va me permettre de récupérer une tuile tech. Alors là j'ai réfléchi un petit peu en amont et je pense que je vais prendre cette tuile tech là parce que là je vais avoir besoin de récupérer éventuellement un petit minerai et en plus récupérer un petit cube CIQ qui me permettra de plus tard de coloniser éventuellement les planètes Gaïa qui se trouvent par là. Parce qu'on a besoin de cube CIQ pour, pour terraformer ces, ces planètes là. Donc je récupère ça. Euh, voilà, ça ne me donne pas d'autres avantages, ça me donne juste un minerai et un cube euh, CIQ, mais par contre, là, je vais pouvoir choisir sur quelle piste j'avance, et je vais avancer sur la piste Gaia Formation, euh, c'est-à-dire ici. Et ça, ça va me donner trois puissances supplémentaires directement ici. L'Automa, lui, est-ce qu'il va continuer sur ses... Ces actions de faction, non. Alors voilà, il va faire une petite amélioration là. Euh, il va améliorer quoi Il va améliorer forcément le. Euh, bah je pense, oui, ça va être une mine qu'il va améliorer en comptoir. Donc là, ça va lui faire. Euh, bah là, pour l'amélioration, il va prendre la planète la, plus... enfin, oui, la planète la plus proche du joueur. Donc, euh, ça va être celle-ci, je pense. Voilà. Euh, celle-ci, elle est à 1, 2, 3. Et celle-ci, elle est à 2. Voilà, hop. Donc, il améliore ça. Et euh, là, du coup, ça lui fait 3 points. 1, 2, 3 grâce au score de manche. Et moi, ça va me faire... Euh, alors, euh, je vais... Euh, ouais, je pense que je vais... Ouais, je vais dépenser... Un petit point de victoire pour récupérer deux puissances ici et ensuite il gagne deux points supplémentaires avec son action. Alors moi je vais pouvoir construire une mine ici. Ça va me coûter 1 2 et un minerai, voilà. Donc il me reste deux minerai et trois crédits et là je peux récupérer mon unité de Gaïa Formation, puisque voilà et là j'ai pas besoin d'utiliser un cube CQ je vous rappelle hein, quand on utilise une unité de Gaïa information euh, ensuite l'Automa, lui il fait quoi donc il fait ah alors là il va avancer il va avancer sur sa piste recherche là où il est le plus en avance donc là bah il y, y a pas d'égalité c'est celle ci donc il avance ici, et ensuite euh, il gagne un petit point de victoire. Je vais pouvoir faire euh, une Gaia Formation, puisque j'ai récupéré mon unité. Donc là, ça me coûte toujours 6. Donc je déplace 6 ici, et je vais euh, Gaia Former cette euh, planète-là. Donc là, j'ai bien la portée de 2. Ok, ensuite nous avons... L'automa qui, qui va nous faire une petite amélioration. Alors est-ce qu'il a encore une, une mine Oui, il a une mine là-haut. Donc il va améliorer cette mine en comptoir. Ce qui fait que il regagne 1, 2, 3 euh, points de victoire, plus 1 ici, 4. Voilà. Je vais me faire un petit comptoir aussi moi. Euh, je vais profiter donc de ma mine ici pour payer. 3 crédits et 2 minerais et hop je me fais un petit comptoir là ce qui me permet 1 2 3 de scorer la tuile de score de manche l'automar c'est sa dernière action et là ça va être une action d'amélioration de, enfin, de progression de recherche. Donc la première en partant de la gauche, eh ben voilà, ça va être celle-ci. Alors là, il est déjà euh, au niveau 4. Donc euh, sa première action, c'est de prendre la tuile euh, tech avancée. Donc bon là il a, la il défausse, hein, voilà, on va la placer là. Et ensuite, s'il doit reprogresser, ben là cette fois-ci, il atteindra euh, le, 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 niveau, euh, le niveau 5. Voilà, et il gagne. Il gagne 0. Tiens, bien fait. Moi je vais dépenser 4 connaissances comme ça et je vais progresser euh, bah, sur ma piste Gaïa Formation hein, parce que là ça va me permettre de gagner un, un, une nouvelle unité euh, de Gaïa Formation et en plus là maintenant les, les, les unités de, de Gaïa formation ne coûtent plus que 4 puissances au lieu de 6. Et en plus là au passage moi je j'accumule 3 puissances donc hop J'accumule 3 puissances dans la zone 3. Voilà. Euh, et puis euh, donc l'automa, lui, il va... Alors est-ce qu'il va continuer à jouer J'aimerais bien qu'il s'arrête maintenant, même si ça va lui faire prendre le, le... Non, il continue, il continue à jouer. Il a le petit point vert là. Donc il va augmenter la quatrième en partant de la gauche. 1, 2, 3, 4. Donc c'est celle-ci. Voilà. Et il gagne 2 points supplémentaires. Le voilà à 60. Moi je suis à 26 hein, pour, pour info. Alors moi je vais justement, je vais en profiter puisque j'ai récupéré une nouvelle unité. Je vais refaire une Gaia formation euh, ici à une portée de 2. Donc je vais Gaia former ici. Et là, euh, grâce au niveau 3, eh bien, ça ne me coûte que 4 puissances. Donc je déplace 4 puissances ici de la zone 2 par exemple, en zone Gaia, voilà, pour pouvoir placer. Mon unité sur cette planète là, voilà euh, donc là, moi après je pense que je vais passer. Donc on va voir si l'automa passe avant moi. Ah, bah oui, cette fois-ci il passe puisque là il a la petite croix ici. Euh, donc là, alors comme il passe, il va récupérer la première tuile à gauche ici. Voilà, ça, ça revient à droite et il récupère le marqueur premier joueur. Bien vu et moi bah ben là normalement je pense que de toute façon j'ai plus trop de plus trop de choses à faire de mon côté donc je vais passer aussi alors là moi je vais marquer euh, grâce à mon booster de manche là euh, je vais marquer deux points de victoire pour chaque comptoir bon j'ai réussi à, à remettre quand même un comptoir ici donc ça me refait deux points de victoire ici euh, et je vais récupérer un nouveau booster alors comme le prochain tour je vais essayer de construire une académie je vais récupérer ce booster-là qui me rapportera euh, bah, du coup, 8 points de victoire euh, si j'arrive si à faire ce que je veux. Donc euh, voilà, on va prendre ça. Et ça, hop, on le remet ici. Fin de la manche. On récupère tout ça là. Et ici, l'automa va marquer 6 nouveaux points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va préparer son deck en rajoutant une nouvelle carte. Et voilà, hop. 1, 2, 3. Revenu de la cinquième manche. Les crédits. Alors, je récupérais quand même 3 crédits ici. 1, 2, 3. C'est toujours ça de prix. Euh, J'ai d'autres choses non ensuite les minerais 1 2 3 4 4 minerais au niveau connaissant je récupère 3 je repasse aussi à 4 ici et en ce qui concerne les alors les puissances là on va avoir euh, une puissance accumulée ici ensuite on va regagner une puissance avec l'institut on va faire 1 2 3 4, voilà, avec ce petit booster là, et comme ça je me retrouve avec cette voilà, puissance à dispo. Euh, ensuite, alors la partie gaia euh, formation, et eh bien voilà, c'est la phase 2, donc là j'ai une gaia formation ici, une gaia formation là, et je récupère donc 1, 2, 3, 4, 5, je récupère 10 puissances, comme ceci, donc avec les 10 puissances je vais pouvoir euh, récupérer 2 minerais supplémentaires, 1, 2, et je vais récupérer, donc ça ça me coûte déjà 6 puissances, et ensuite pour une puissance je peux récupérer un crédit, donc il me reste 4, 1, 2, 3, 4, voilà je récupère 4 euh, crédits supplémentaires. Merci les Terraniens. Bon, enfin, ce n'est pas, pas non plus euh, exceptionnel hein, ce que j'ai récupéré là. Euh, maintenant, on va passer à la phase 3 des actions. Et c'est l'Automa, malheureusement, qui commence. Alors on va voir, est-ce qu'il va me piquer mon action euh, A priori, non. Il va plutôt faire encore une amélioration. Il n'a plus de mine en jeu, donc il ne va pas pouvoir faire deux comptoirs. Par contre, ah bah oui, bon, là il va faire, malheureusement pour moi, il va faire une petite académie le cochon euh, puisque là en priorité il va, il va transformer un comptoir en académie euh, donc là malheureusement pour moi ça va lui rapporter euh, 5 points de victoire alors il va prendre euh, donc le comme d'habitude le plus proche du joueur donc là forcément ça va être un de ces deux là et là euh, suivant la flèche de la direction et eh bien ça va être celle-ci puisque là la flèche va en partant du haut à gauche voilà donc il, il récupère ça comme ça et là, comme il vient de, de construire une académie, et bien avec le score de manche, ça lui fait marquer 5 points d'un coup, 1, 2, 3, 4, 5, plus 2, 1, 2, puisque là, sa carte action lui rapporte 2 points. Nous, comme d'hab, il nous faut du pognon, donc on dépense 4 puissances pour faire l'action. Plus 7 crédits. Donc on va passer de 7 à 14 crédits. Et là, ça devrait me permettre de construire. Euh, mon Académie, et puis ensuite, on essaiera de regagner euh, un petit peu de minerais pour euh, repartir sur des mines, justement, construire des mines euh, sur ce qu'on vient de... sur nos unités de, 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 de Gaïa Formation, évidemment. Euh, voilà, donc là, on a fini notre action. L'Automa, lui, il va faire son action. Ça va être quoi Ça va être l'action de faction. Ça veut dire que... Alors, la première, en partant de la gauche, il va... Euh, avancer ici, ah bah voilà, donc là paf, voilà, il arrive ici, il va récupérer ceci, il place un jeton action ici et il gagne un petit, oui, un petit point. Il a 74. Je vous rappelle que l'Ottoma, lui, il ne gagne pas de points en dehors de ses points de cartes et de score final, etc. Mais sinon, les, pour les pions alliance par exemple, eh bien, il ne gagne pas les points de victoire qui sont indiqués dessus. Il en gagne déjà bien assez comme ça. Donc euh, maintenant, je vais faire mon académie tout de suite, comme ça ce sera fait. Euh, donc là, ça va me nécessiter euh, ouais, de construire. Alors, l'académie, je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de prendre celle qui est la plus à gauche. Donc là, je vais construire l'académie qui est à droite et qui va me permettre ensuite d'avoir l'action euh, gagner un pion CIQ. Euh, mais alors, pour ça, il faut que je dépense 6 crédits 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 euh, minerais. Voilà, donc là, <laughs> c'est assez brutal. Je vais construire à la place d'un labo, donc ici, mon académie. Voilà. Alors là je suis un peu coincé, je vais, bon, je vais récupérer cette tuile tech là, ça va, ça va me permettre de progresser là et de regagner tout de suite 2 deux, euh, deux minerais et tout de suite récupérer 7 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, euh, voilà, 2 victoires ici. Euh, bon je sais pas si c'est un bon calcul, on verra. Ensuite le Thomas lui. Ah, ah bah là, il va me bloquer la deuxième action en partant de la droite, donc ça, ça m'inquiète pas trop. Et il récupère un petit point, le voilà, à 75. Je vais changer d'avis sur l'académie que j'ai construite. Je vais plutôt prendre l'académie qui me donne deux connaissances finalement, parce que pour la dernière manche, ça me permettra de, de regagner quatre supplémentaires pour refaire une recherche. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est un bon calcul. On verra tout ça en fin de partie. En tout cas, là, euh, bah là, je vais pouvoir maintenant euh, commencer mes constructions de mines puisque j'ai récupéré deux minerais. Euh, donc là, je vais faire une première mine. Alors là, ça va me permettre 1, 2 et 1 minerai, je vais placer une mine ici, voilà. Euh, sur une euh, sur une planète. Je récupère ma petite unité de terraformation sur une planète Kaya. Voilà. Et l'automa lui... Qu'est-ce qu'il nous fait Ah bah lui aussi il va se mettre à, se mettre à faire des mines. Alors... Son arbitrage ça va être la deuxième tuile score. Alors c'est là c'est le nombre de planètes Gaïa. Donc ça ça va lui. Ça il en tient compte, puisque là, euh, il va regarder euh, son arbitrage, ça va être euh, ciblé des planètes Gaïa ou Transdim. Donc là, euh, à une portée de 2, il a une portée de 2 sur sa carte. Donc euh, bah pour lui, euh, ça va pas être terrible. Hein, parce que je pense que j'ai bien occupé la... J'ai bien occupé le, le, la galaxie. Moi, donc il y a celle-ci. Euh, et puis le reste, bah, que ce soit euh, voilà, les transdim, là celle-là elle est à 1, 2, 3, donc c'est trop loin pour lui. Euh, et il n'y a pas d'autres transdymes dans le secteur pour lui, ni d'autres planètes Gaïa. 1, 2, 3, celle-là elle est trop loin. Donc voilà, euh, le choix va être vite fait pour lui, il va euh, construire une mine ici. Voilà. Hop. Et ça lui rapporte un tout petit point, il passe à 76. Moi je vais me faire une autre mine ici. Euh, donc je vais construire et récupérer mon unité. L'automa, lui, comme d'hab, il va progresser sur la quatrième piste à droite. 3, 4. Ah bah voilà, il avance aussi là-dessus. Alors là, il va, il va commencer à scorer à la fin. Je vous rappelle que euh, du niveau 3, 4 et 5, en fait, euh, eh bien en fin de partie, euh, ça permet de, de marquer pas mal de points de, de, de victoire supplémentaires. Ça bon, d'accord. Je crois que j'ai oublié le, de gagner mes 5 points ici. 1, 2, 3, 4, 5 pour avoir construit l'académie là. Donc euh, voilà, je, en revisionnant la vidéo, je pense que j'ai dû euh, oublier ça pour moi. Maintenant, je vais dépenser. 4 points de connaissance. Et je vais. Alors bon, là, euh, on va on va plus trop réfléchir à qu'est-ce qu'il faut avancer. En fait, on va essayer quand même de gagner un maximum de, de points de victoire à la fin de la partie avec, euh, euh, en atteignant des niveaux euh, 3, 4 ou 5. Euh, donc je vais progresser ici sur la, la, la navigation. Alors ça va me permettre de gagner un petit pion CIQ. Donc ça, ça va m'être utile pour la dernière manche. Euh, et parce que là, j'envisage de construire des mines sur des planètes Gaïa. Donc là, il faudra dépenser du. Et puis en plus, là ça va me faire un petit un petit cumul de 3, mais ça, ça sert absolument à rien de 3 puissances en passant du niveau 2 au niveau 3. Bon, ok, alors maintenant l'automa lui, il va. Euh, Qu'est-ce qu'il va nous faire encore Parce que là, nous embête. Hein euh, ah, bah ça va être une amélioration de bâtiment. Alors heureusement pour moi, il a construit une mine ici, donc il va améliorer sa mine en comptoir ici. Là, il n'y a pas de zone d'influence pour moi. Il va quand même gagner un petit point supplémentaire, le petit coquin, ici. Moi, je n'ai plus que de la Gaia formation à faire. Là, j'ai plus, plus que du crédit, de toute façon. Donc, euh, je ne peux plus rien construire pour l'instant. Je vais faire une première Gaia formation. Alors, je déplace 4. Euh, puisque là, je suis au, au niveau 3. Donc, je, je paye 4 pour placer une unité ici. Voilà, à portée. Pour le Thomas, on va faire quoi C'est sa dernière action obligatoire. Il va tenter de construire une mine et il va encore reprendre le même schéma que tout à l'heure, c'est-à-dire la deuxième tuile score finale. Donc il va chercher des planètes Gaïa ou des planètes Transdim à une portée de 2. Donc là, il va être un petit peu coincé, je pense, parce que normalement, dans son secteur à une portée de 2, euh, il n'y a plus de planètes Gaïa. Ici, il y en a une qui est à, qui est à 3. Euh, ici, il y en a une transdim qui est à 3, et donc pour le reste, bah là, celle-là, elle est bien trop loin pour lui, et celle-ci aussi, évidemment. L'arbitrage suivant, ça va être les planètes avec le moins d'étapes de, de terraformation. Euh, donc lui, alors ses planètes natales, elles sont, elles sont encore trop loin pour lui. Ensuite, donc euh, planète Gaïa, on a dit qu'il n'y en avait pas. Sinon, ça va être les planètes rouges ou jaunes. Euh, donc rouge ou jaune, eh ben, je pense que là, oui, effectivement, il a deux rouges ici à portée. Euh, et puis, euh, je pense que ça va être à peu près tout pour lui. Euh, rouge, jaune, une, 2 trois. Non, celle-ci, elle a une portée de trois. Euh, et donc ensuite, l'arbitrage suivant, et eh bien c'est euh, la, la, la planète euh, qui est la plus proche du joueur. Donc là, euh, bah, ça va être, euh, ça va être celle qui se trouve ici. Donc il va construire sa mine là. Euh, donc moi, alors bon, c'est dans la zone d'influence d'une de mes mines. Donc pour zéro, euh, pour zéro point de, de victoire je peux euh, bah tiens oui je vais faire ça je vais hop, accumuler une puissance et ensuite il gagne 3 points 1 2 3 le voilà à 80 il vient de construire de coloniser un nouveau type de planète les planètes rouges ici donc ça lui fait deux points supplémentaires 1 2 euh, moi, euh, en ce qui me concerne, eh euh, c'est pas mal parce que le petit point de pouvoir, là, ça, là, de puissance, ça me permet de dépenser 4 ici. Et je vais récupérer 2 minerais. Voilà. 1, 2. Ensuite, le Thomas va passer. Il va passer ici et il va prendre le booster du milieu. Comme il a construit une mine là, je vais en profiter pour euh, construire un comptoir ici qui va me coûter moins cher du coup. Euh, hop, je vais euh, dépenser 1, 2, 3 crédits et 2 minerais pour placer un comptoir là. Euh, en fait ça, ça va me permettre juste de, de gagner en fait cet emplacement de revenus euh, 4 crédits euh, donc en fait le différentiel là j'ai payé 3 crédits et, et au tour suivant ça va m'en rapporter 4 donc voilà bon on essaie de grappiller les crédits euh, là où on peut hein. euh, <laughs> et puis donc là l'automa il a passé donc là je vais pouvoir enchaîner mon, mon action suivante donc là je vais tout simplement euh, placer une unité de Gaia Formation ici donc ça ça va me coûter 4 puissances que je déplace en zone Gaïa comme ça. Et puis normalement, là, cette fois-ci, là, j'ai plus grand-chose à dépenser. Donc euh, j'arrête aussi. Je vais redonner ce booster qui va me rapporter 4 points de victoire pour l'Institut et pour chaque académie. Donc là, j'ai l'Institut et une académie, ça va me faire 8. Donc j'arrive à euh, 6, 7, 8, 48. Voilà. Et je vais prendre cette tuile booster là, je pense. Hop. Donc là, cette tuile-là, en fait, ça va me rapporter un minerai, mais surtout, comme je compte construire bah, deux, au moins deux mines supplémentaires, euh, trois, euh, quatre mines supplémentaires, donc là, ça me rapportera, voilà, ça me rapportera en, quand je vais passer à la fin de la, de la manche, de la dernière manche, ça me rapportera un petit pécule supplémentaire. Voilà. Donc là, on termine la manche. Ici, donc là, normalement, d'après mes calculs, donc euh, pour les alliances, donc là, pendant la dernière manche. Eh ben, je, vais faire un, je vais essayer de faire au moins, normalement je peux faire 3 alliances euh, et puis donc ça me permettra je pense de, de remporter cette première tuile plus euh, construction de mine ici ça me permettra d'avoir le plus de planètes Gaïa donc normalement sur le score de Sino on est tranquille euh, bon donc l'Automa lui, il va quand même gagner 5 points supplémentaires ici 1, 2, 3, 4, 5, grâce à, sa, à son score de manche ici on lui prépare son dernier paquet. on rajoute une carte. Hop. Hop, on va couper là. nous voilà à la dernière manche. et là, la dernière manche, c'est deux points de victoire par mine construite. Euh, donc là, euh, normalement, euh, je devrais pouvoir accumuler assez pour pouvoir construire des mines euh, bah, déjà partout où j'ai... Euh... Gaïa formé sur ces deux planètes là avec les deux cubes CIQ, et puis on verra s'il nous reste assez de crédits et assez de minerais pour reconstruire encore quelques mines. Bon, euh, ben on va aller dans l'ordre. Déjà, on va prendre la phase de revenus. Alors, au niveau crédit, là, euh, là j'ai 3 et 4, 7, donc je vais récupérer déjà 7 crédits. Ça va me monter à 8 comme ça. Ensuite, au niveau minerais 1, 2, 3, 4. 4, 5, je récupère 5 minerais comme ça. Euh, ici ensuite euh, la connaissance, je récupère 4 connaissances. Et puis pour la, les petits boosters, et bien comme d'habitude, je vais booster 4 puissances ici. Plus une, tiens d'ailleurs, ici. Donc avec mon institut et ma tuile tech ici. Et je rajoute encore un petit bonus supplémentaire ici. Ensuite, là, les, les planètes Gaïa, donc là, les, les terrains formations automatiques, les Gaïa formations, ici et là. Et je vais récupérer 8 puissances directement en zone 2. Alors, avec 8 puissances, là, je vais pouvoir récupérer donc 3 puissances par minerai. Donc, ça me fait, avec 6 puissances, je récupère 2 minerais. Et il me reste 2 deux, deux points, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est bon. Donc ça me fait, hop, je monte à 10 crédits. C'est le Thomas qui commence et qui nous fait une construction de mine. L'arbitrage se fait avec la première tuile cette fois-ci, mais la première tuile c'est le nombre de bâtiments dans les alliances, donc ça il en tient pas compte. Par conséquent, là on va prendre l'arbitrage entre guillemets euh, normal, c'est-à-dire euh, bah, le, 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 les planètes avec le moins d'étapes de terraformation pour lui. Donc toujours euh, les Gaïas, les rouges et les jaunes. Alors les rouges, les rouges à une portée de 2, il bah, y a celle-là pour lui. Il euh, y a. Non, celle-là, la jaune, elle est toujours trop loin. Euh... <laughs> euh, la planète verte ici, elle est toujours trop loin pour lui. Il a une portée de 3. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ici, 1, 2, 3 pour une planète rouge. Ah, bah si, il y a celle euh, Oui, non, il n'y a pas. Non, non, c'est tout. Euh, Celle-ci aussi est trop loin. Donc voilà, bon, bah là, il va construire sa mine là. Voilà. Et là, évidemment, il va bénéficier. Euh, du, du petit bonus ici donc ça lui rapporte deux points avec le score de manche plus un petit point supplémentaire en bas et le voilà à 90 moi comme d'hab je vais dépenser euh, quatre points de pouvoir de puissance comme ça pour tout de suite récupérer mes 7 crédits 2 3 4 5 6 7 voilà euh, ensuite l'automa Il va avancer sur la quatrième en partant de la droite. 1, 2, 3, 4. Ah, bon, c'est celle-ci, donc ça lui refait des points. Par contre, il gagne 0. Je vais commencer ma série de construction de mines. Donc là, ça, je vais commencer par cette planète Gaïa ici, donc à une portée de 2. Euh, donc ça, ça me coûte 1, 2 et 1 minerai pour placer une mine là. Donc comme c'est une planète Gaïa, je dépense un petit cube CIQ et ça me rapporte deux points grâce au score de manche l'automat est ce qu'il va nous embêter avec les constructions de mines non cette fois ci il continue de progresser sur les euh, les recherches donc là ça va être la quatrième en partant de la gauche 1 2 3 4 ah bah mince donc là il va il va vraiment scorer sur la manche lui et en plus il remarque deux points supplémentaires ici 1 2 1 je construis ma mine là, je dépense un petit point CIQ, je marque le score de manche 2 points de plus. L'automa va bloquer une action, alors ça va être l'action numéro 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça va être celle-ci. Ça c'est embêtant parce que là il y avait une étape de terraformation gratuite, c'est embêtant et en plus il marque 3 points. Moi, je continue mes petites mines, 1, euh, 2 et 1 minerai, voilà. Et je vais construire une mine ici, à la place de mon unité, ça me rapporte encore 2. Le Thomas continue ses progressions. Dans les recherches, alors là, ça va être celle où il est le plus avancé. Euh, donc là, il est déjà arrivé au max, donc ça, ça compte plus. Et là, la deuxième, c'est celle-ci. Donc là, il pique la tuile ici, et il ne progresse pas. Le prochain coup, il pourra progresser. Et là, il gagne un petit point supplémentaire. Je fais ma dernière mine ici, sur cette planète Gaïa, ici, qui était déjà Gaïa formée avec mon unité. Ça me rapporte 2 de plus. Je suis à 56, il est à 96. Il construit une mine. Alors, euh, les moins de terraformations possibles pour lui. Euh, bah de toute façon, là, euh, oui il, il, est, il est bloqué dans une portée de 2. Donc, euh, de toute façon, il n'a plus de planète rouge, euh, ni de verte, ni de jaune. Euh, à, à la bonne distance. Donc par conséquent, il va passer à, aux planètes avec deux terraformations. Donc là, c'est les, les transdimes. Normalement, les transdimes, euh, il y en a. Ah si, il y en a une qui est là, mais qui est trop loin pour lui. Euh, ensuite, il y a les bleus et les marrons. Alors là, par contre, là, il va avoir une marron ici. Et il va. Ah si, il y en a une autre là. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit d'autre On a dit une bleue éventuellement. Ah oui, si il y a une bleue là, d'accord. Euh, et je crois que c'est tout. Ok, donc là, effectivement, euh, donc il va, il va, prendre celle qui est le, le plus proche euh, du, du joueur, si possible. Euh, donc là, il va pas y avoir photo. Ça va être, ça va éliminer déjà celle-là. Euh, donc là. Il en reste deux ici qui sont proches des joueurs. Et ensuite, le choix de direction, ça commence en haut à gauche. Donc forcément, tagalac, 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 Donc ça descend comme ça. Et là, ça va être la mine qui va se construire ici sur la planète marron. Euh... Donc ça par contre, ça va lui rapporter deux points à cause du score de manche. Euh, plus 3 tiens on va le faire tout de suite comme ça ce sera fait 1 2 3 le voilà à 101 euh, par contre moi comme il a fait une mine à côté de mon académie euh, non ça vaut pas le coup parce que j'ai trop de non, si ne pas pouvoir accumuler de la puissance, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Euh, donc parce que là, ce serait de la zone 1 et donc euh, voilà, ce serait, ce serait un peu foutu. Alors par contre, il nous a, euh, il nous a, euh, a terraformé une, un nouveau type de planète. Lui, il a pris les planètes marron et ça, ça lui rapporte deux points supplémentaires. Bien vu. Moi, normalement, j'ai construit toutes les mines que je voulais construire. Je, je vais construire un labo pour récupérer une Tultec. Euh, donc là, ça va me coûter 3 minerais. Donc là, je suis à 0. Et 5 crédits. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 4. Euh, et là, je vais pouvoir construire un labo. Bah, de toute façon, j'ai. Alors ici, j'ai déjà mon alliance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut 7 puissances pour faire une alliance. Ici aussi de toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais oui, bah non, je suis obligé de le mettre là parce que j'ai qu'un seul comptoir ici. Euh, 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Bon allez, je le mets là. Euh, comme ça, ça me fait un petit labo là. Bon là, j'aurais un point de puissance en trop. Bon, c'est pas, pas catastrophique. Par contre, ça me permet de récupérer la tech. Et alors là, la tech, là, je ne vais pas prendre n'importe laquelle. <laughs> je vais prendre celle-ci, parce que là, celle-ci. Ça permet de scorer euh, 3 points de victoire pour chaque mine que nous avons sur une planète Gaïa. Et en plus, euh, ça va me permettre de progresser sur n'importe quel euh, champ euh, euh, de, de recherche, donc euh, domaine de recherche. Donc là, effectivement, euh, là je vais regarder, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mines. Donc euh, 7 x 3, 21. 21, voilà, donc là on est à 77, donc ça... C'était vraiment une tuile qui me tenait à cœur euh, de la prendre en toute fin de partie parce que je savais que ça allait scorer pas mal. Euh, et ensuite, donc je vais progresser. Alors là, bon bah là, c'est pareil, je, je vais progresser, je pense, sur cette euh, sur cette piste-là. Bon là le but hein, c'est de progresser euh, sur une des deux pistes pour euh, essayer de marquer des points en fin de partie. Bon là, de façon anecdotique, ça me permet de récupérer ma dernière unité de, de Gaia formation, mais là de toute façon, je ne pense pas que je vais m'en servir. donc euh, voilà mais en tout cas ça euh, c'était important de récupérer cette tuile là pour moi à ce moment-là du jeu. Pour le Thomas, il lui reste encore au moins deux actions sûres et là ça va être une amélioration c'est une amélioration, donc là ça va être un comptoir de commerce, une mine en comptoir, euh, si possible le plus proche du joueur. Donc là, bah, euh, de toute façon, le, la mine la plus proche du joueur c'est celle-là. Euh, voilà, il améliore ça. Bon, alors là, je, ouais, je remarque, j'aurais pu sacrifier des points de victoire, là, des points de puissance pour, euh, pour récupérer un peu de puissance et pouvoir éventuellement faire une nouvelle action, c'est vrai. Euh, bon, je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Allez. Donc là, euh, il a amélioré ce bâtiment-là. Et moi, j'ai une académie juste à côté. Donc effectivement, je vais perdre euh, deux points pour récupérer 3. Bon. Si je l'avais fait avant, je ne sais plus pourquoi c'était. C'était pour une mine qui était construite, euh, je ne sais plus où. Euh, bon, ça m'apprendra. J'aurais dû euh, anticiper. Ensuite, le tomaï regagne un petit point. De victoire, alors nous on va commencer à faire des alliances. Hein. Euh, donc là, on va commencer à faire une alliance de 7 puissance ici. Alors là, il faut relier les, les bâtiments qui ne sont qui sont un peu euh, éloignés avec des satellites que l'on prend directement dans ces zones de, de puissance n'importe où. Donc voilà, on va voilà, hop, on a relié avec trois satellites. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puissance. Et voilà une alliance. Donc la première alliance, je vais récupérer euh, ceci. Donc ça, ça me fait 7 points. Donc 75, 82. Et deux minerais de récupérer. Petit point de règle aussi, quand, quand on joue avec le Thomas, normalement on place aussi des cubes satellites. Euh, pour chaque bâtiment qui n'est pas euh, adjacent à un autre bâtiment de l'automa euh, quand il construit euh, donc à une distance, à une portée de 2 ou plus euh, bon là je ne l'ai pas fait parce qu'en fait là euh, on le fait uniquement quand il faut compter le nombre de satellites il euh, y a un, un des scores, une des tuiles score final qui, qui, euh, qui, qui a cette condition là euh, le nombre de satellites au total euh, là effectivement quand on joue avec l'automa et qu'on n'a pas cette, euh, cette tuile score final, ça ne sert à rien de placer des satellites de l'automa hein, voilà, ça, ça ne sera pas du tout comptabilisé donc euh, voilà on, on oublie cette, euh, ce point de règle parce qu'il ne sert à rien euh, quand, quand, quand le score euh, satellite de l'automa ne n'est ne, pas compté. Et en parlant de l'automa on va voir. Alors est-ce que c'est sa dernière... Oui. Là c'est sa dernière action obligatoire et là ce sera son action de faction. Alors il va commencer avec... Euh, donc c'est à une à une distance de 2 en partant de la gauche. Donc il va d'abord augmenter, bah, décidément, il augmente celui-là, voilà, très bien. Ensuite il va bloquer le deuxième en partant de la gauche, c'est-à-dire celui-là. Et il va marquer un petit point, le voilà, à 105. Euh, nous, on va, on va se refaire une petite mine, 1, 2, 3. Enfin, deux crédits et 1 minerai, pardon. Et là, on va placer notre dernière mine sur, ici. Là, une planète natale, donc c'est bien, il n'y a pas besoin de, de faire de, euh, de, de terrain formation. Et là, ça nous permet, grâce au score de manche, de gagner deux points de plus. Voilà. L'automa... On va voir s'il si passe. Alors ce serait bien s'il pouvait passer maintenant, mais bon, c'est pas nous qui choisissons. Eh ben non, il passe pas. Euh, il va en profiter pour augmenter encore euh, sa faction. Donc là c'est la deuxième ici. 1, 2. Ah bah ben, décidément, hop. Voilà, il augmente ici. Ensuite, il bloque 1, 2, deux, la deuxième. Et il marque un petit point supplémentaire de victoire. Bon. Là, on a un petit choix cornélien. C'est-à-dire que je peux éventuellement construire un constoir ici ce qui me permettrait de faire une alliance euh, mais pour faire ce comptoir il va me manquer, il va me manquer un minerai donc pour faire ça il va falloir que je dépense mes 4 connaissances pour gagner un CIQ ce qui me permettra de le convertir en minerai <laughs> et du coup là je pourrais construire mon comptoir et là j'aurai 1, 2, 3, 4 puisque c'est une académie 5, 6, 7 avec un comptoir ici donc là, j'aurai une alliance là. Ici, j'aurai une autre alliance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, c'est bon. Euh, et ça, ça va me permettre de récupérer euh, des pions euh, alliance, justement, qui vont me rapporter des crédits et éventuellement euh, d'autres ressources. Mais par contre, ce que je peux faire aussi, c'est dépenser mes connaissances, ma connaissance pour arriver au niveau 5 ici. Et ça, ça va me rapporter euh, 4 points de victoire, plus 1 point de victoire par planète Gaïa. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, ça fait quand même 9. Euh, bref, c'est quand même... Alors, si je gagne 2 pions Alliance... Oh là là, bon. On va choisir un chemin, on va voir si c'était le bon. Je vais essayer de le jouer comme ça pour l'instant. On verra peut-être que si j'accumule un peu plus de puissance, je pourrais accumuler de les... du minerai ici, peut-être. Euh, bon, on verra. Euh, si l'automat le... si fait une amélioration, euh, euh, bah par exemple de cette mine-là, euh, ce serait pas mal parce que là, comme j'ai un labo dans le coin. Bon, on va voir ce que ça donne. Euh, je vais suivre mon instinct. Je vais euh, faire dépenser 4 connaissances pour avancer euh, ici. Et alors, ça, en fait, ça va me rapporter juste un petit cube euh, CIQ. Et d'ailleurs, ce cube, bah, je vais faire tout de suite la conversion. Puisque là, les cubes CIQ, on peut les transformer euh, en minerai. Voilà, donc là, je récupère un minerai. Voilà. Et le cube est immédiatement dépensé. Ensuite, l'automat. Il va. S'il pouvait passer, ce serait sympa. <laughs> ah, ben voilà. Donc là, effectivement, il a la croix en haut à gauche, là. Donc, il passe, c'est fini. Donc là, lui, il ne joue plus et on calculera son, son, son score quand j'aurai terminé mon, mes tours. On va commencer par faire notre alliance euh, ici. Donc là, on a, fait, on a besoin de deux satellites. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puissance Donc on récupère. Euh, donc là il va falloir que je récupère euh, des sous. Moi. Donc euh, si je veux... Parce que là, il ne me reste plus que deux crédits. Donc il faut que je prenne cette alliance-là. Qui va me rapporter 6 euh, crédits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7 euh, points. De victoire voilà ça c'est pas mal ensuite euh, je vais pouvoir faire ma construction euh, ici donc ça va me coûter deux minerais et 1 2 3 crédits euh, puisque là je vais pouvoir améliorer cette mine là comme ceci voilà euh, et là donc je vais avoir 1 2 3 4 5 6 7 pour faire ma prochaine alliance donc ma prochaine alliance ça va être Ici, juste un petit cube satellite, ici par exemple. Euh, voilà, donc là, j'ai refait une alliance. Et là, même si je récupère, mettons par exemple deux minerais, euh, ça me permettrait euh, de faire pas grand chose en fait. Donc euh, du coup, euh, je pense que je vais récupérer juste le petit pion alliance qui donne 12 points de victoire directement. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, je suis. À 103 et lui il est à 106 donc là voilà on va pouvoir je pense maintenant euh, terminer la, la partie donc moi je passe également alors quand je passe ici j'ai des petits points supplémentaires grâce au booster de manche pour chaque mine euh, quelle que soit la planète où elle se trouve donc là je vais avoir 1 2 3 4 5 6 7 je vais avoir 7 points de plus 1 2 3 4 5 6 7 et me voilà à 110 merci le booster. Score final, on commence par la première tuile, donc le nombre de bâtiments dans les alliances. Alors, euh, je vais commencer par l'automat, parce que là, l'automat, en fait, on compte tous ses bâtiments euh, moins 1. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moins 1, ça lui fait. 7. Ok. Moi, par contre, je vais compter, euh, donc normalement, tous mes bâtiments sont dans une alliance, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voilà. Donc là, je suis largement, j'ai même dépassé le, le, le joueur neutre, voilà, je suis à 13, euh, ce qui fait que moi, je vais marquer 18, donc 10, 20, 30, moins 2, et lui, euh, l'automa, il est dernier, donc il marque 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ensuite, on va compter le nombre de planètes Gaïa colonisées. Alors, l'automa, il est à 1, 2, normalement. Donc là, il est à 2. Et moi, normalement, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, c'est pareil. Je suis largement en tête, donc je marque 18. 46. Voilà. L'automa est dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il marque 6. Ok. Ensuite, alors là, ça va se gâter. <laughs> parce que là, après les scores finaux, eh bien, là, on va calculer le, le score de recherche. Alors là, on va marquer 4 points pour chaque niveau 3, 4 et 5. Donc là, effectivement, le Thomas, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il a, euh, voilà, 8 fois 4. Donc ça fait 32 points. 3. Le voilà monté à 150. Et oui, et ça je savais que ça allait faire mal, mais là à ce point-là. Et moi, en ce qui me concerne, bah voilà, donc moi j'ai 1, 2, 3, donc 3 x 4, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, ok, je repasse un peu devant. Et le, les derniers points de, de score, en fait, ce sont juste les ressources. Donc là, hein, on dépense 3 ressources euh, qui donnent un point de, de victoire. Donc moi, voilà, je vais gagner... Euh, je vais gagner un petit point supplémentaire. Bah écoutez, là je crois que là j'ai fait un, euh, mon meilleur score jusqu'à maintenant donc 100, 159 en espérant n'avoir pas trop oublié de Alors si j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié les 6 points finaux ici. 1 2 3 4 5 6. Donc il est, il est à 156 et je suis à 159. Donc j'ai gagné a priori de justesse. J'avais oublié cette petite tuile maudite là, voilà. <laughs> Et voilà, vous avez vu une partie de Projet Gaia avec les Terraniens et je vous dis à très bientôt pour une autre partie sur un autre jeu. Ciao.